Bonsoir, vous êtes avec Go With My Rock ce soir et... Shiba! Peut-être présenter tout le monde déjà, parce que ça sera plus simple pour après. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Qui es-tu? Explique. Alors, Dak, le chanteur du groupe. Tristan, le batteur. Max, l'arrangeur. Arnaud, le guitariste. Voilà, c'est ça. Donc si vous pouviez peut-être nous expliquer la manière dont s'est monté le projet. Ça a commencé, on se connaissait pas tous les deux, on était dans la même école d'ingénieur. On arrive, premier cours, école d'ingé, on arrive après avoir passé les concours, etc. On n'avait pas du tout envie de faire d'école d'ingé, on arrive, on est assis l'un à côté de l'autre, il est en train de frapper sur la table et je lui dis, t'es pas un batteur? Il me dit, si. Je lui dis, moi je suis chanteur, ça te dit de monter un groupe? C'est parti de là. Après ça, on a cherché Arnaud par annonce. Mm-hmm. On l'a rencontré en 2005. On nous a rejoint en 2005. Et Max, qui est l'ami d'enfance de Tristan, mm-hmm. qui nous avait rejoint à la base pour violoncelliste, voilà, pour jouer au violoncelle. Et après, on a eu des bassistes, plein. Et jusqu'à ce que Romain nous rejoigne il y a un an et demi de ça. La seule chose qu'on demandait à Romain, c'est de venir pour savoir jouer tout de suite. Toutes les musiques qu'on nous apprécie. Et tout de suite, est bien. J'imagine. Et c'est vrai que Romain, quand il est arrivé, il avait vraiment une oreille externe, des choses, et il a apporté surtout son groove et son funk. Quand vous tombez sur Romain et vous, dans la foulée, enregistrez donc votre EP. Ouais. Tout à fait. Et donc, qui est votre premier EP? C'est notre premier EP. Le premier épisode. C'est vraiment notre premier épisode et on avait fait des enregistrements avant, on avait tenté des enregistrements, c'était pas du tout concluant et franchement on n'est pas arrivé à quelque chose qui nous plaisait et qui nous ressemblait vraiment. Et c'est pour ça qu'on s'était dit on va faire un truc qui nous ressemble avec nos propres moyens. Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu la thématique, qualifier éventuellement votre univers et... Honnêtement, on avait envie tous les deux de faire de la musique à fond, on savait pas sur quoi on partait. On avait des influences vraiment à l'opposé. Mmh. Lui, il était plutôt rock-pop, très U2. Et moi, j'étais plus rock-fusion et metal aussi. On savait pas sur quoi on allait, notamment. Mmh. Et c'est une fois qu'on s'est tous réunis, tous les quatre, excuse-moi Romain. Oh ouais, je t'en prie. On s'est réunis tous les quatre, en fait, qu'on a trouvé notre style. Mmh. Et le style, en fait, découle de vraiment des influences de tout le monde. Mmh. C'est vraiment un melting pot de plein de choses. Mmh. Après, on avait un élément commun, c'était un petit peu l'influence burtonienne, entre guillemets. Mmh. Et voilà, on a vraiment enrichi notre musique, notre son autour de ce monde-là. Vous pouvez nous parler justement de ce clip qui est assez atypique et plutôt bien réalisé. En fait, c'est vrai que l'influence burtonienne, c'est vraiment resté le centre, notre centre, un point commun à tous. Quand on en a parlé à la personne qui a réalisé ce clip, on lui a présenté nos influences de Tim Burton et notre musique. Et c'est vrai que lui-même l'a vu comme ça. I have never felt the same, the horizon so close to me. Symbolique du papillon, en fait, si vous pouviez expliciter un
petit peu ça. Le nom du groupe, en fait, c'est nos influences à nous, un petit peu manga. En fait, le papillon, c'est une métaphore pour la vie, pour quelque chose qui arrive et qui les prévient, quoi. Donc le papillon, on avait bien aimé, et en fin de compte, c'était assez en adéquation avec le nom du groupe. Dans le papillon, il y a le S et le B de Shibana. Et Shi, en fait, ça veut dire début, et Ban, ça veut dire la fin. Mais ça peut très bien dire Shi, la vie, et Ban, la mort. Peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu des projets que vous auriez pour l'avenir. L'épisode 2 est en cours. On a choisi, en fait, vraiment de faire des épisodes et pas vraiment un album entier. Et c'est vraiment par épisode, on a fait une thématique spécifique. Et on a essayé de faire ça. On a fait vraiment une grande pause pour pouvoir enregistrer, etc. Et ça prend énormément de temps. On compose aussi d'autres musiques, à côté de ça, pour revenir sur scène un peu plus tard, et avec vraiment un set beaucoup plus long où on pourra tourner et faire pas tout le temps les mêmes musiques pour toutes les personnes qui viennent nous voir, faire quelque chose de nouveau aussi. À part ça, la question existentielle, que pensez-vous des toilettes à la turque? Bon, Robin, vas-y. Tu connais bien. C'est compliqué. C'est toute une technique. C'est une technique. C'est une technique à aborder. Faut se préparer psychologiquement. C'est un aspect psychologique aussi qui est complètement différent des toilettes normales. La prolifération peut-être des bactéries. C'est ça, ouais. C'est ça. En même temps, il faut dire que ça peut être pratique, justement, lors de concerts, un petit peu arrosé. Bon, c'est pratique. Moins de choses à faire. Moi, je veux dire autre chose, c'est que je suis d'origine tunisienne. Et j'ai pratiqué les toilettes turques depuis que je suis jeune. C'est bon. Et vacciné. Même bourré, je sais viser. Juste faire une petite dédicace pour notre ingé son qui nous aide tout le temps. C'est Anthony Arribo, qui est un ancien ingénieur du son de DMI. Et à Yannick Puig, qui a réalisé notre clip. Voilà. Spéciale dédicace à eux.